الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها المسلمون، إن آيات الله الدالة على كمال وحدانيته وعظيم تفرده وتصرفه في هذا الكون كثيرة لا تحصى، عديدة لا تستقصى. أيها العباد، إن من آيات الله العظام وبراهين وحدانيته الجسام تسخير الله جل وعلا للرياح وتصريفه لها كيف شاء، فهي تجري بأمره وتسير بإذنه، فهي مسخرة مدبرة مأمورة. والأمر كما قيل في كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. أيها العباد، كل حركة من الريح أو كل حركة منها بإذنه، وكل سير منها بأمره، فهي مسخرة مدبرة مأمورة. تارة تأتي محملة بالبشارة والرحمة، وتارة أخرى تأتي محملة بالعذاب والنقمة، والأمر لله جل وعلا من قبل ومن بعد. شيخ سيرفيتور الله تبارك وتعالى، après vous avoir recommandé la crainte d'Allah, sachez que les signes d'Allah Azza wa Jal nous prouvant sa perfection, et les signes d'Allah Tabaraka wa Ta'ala nous prouvant son unicité, sont nombreux. Les signes d'Allah Azza wa Jal nous démontrant sa puissance et son entière gestion sont divers, tellement nombreux que l'on ne peut les dénombrer. Et il incombe à chacun d'entre nous de méditer, de réfléchir, de s'exhorter sur le signe d'Allah tabaraka wa ta'ala afin de se rapprocher d'Allah azza wa jal. Et comme cela a été dit
dans chaque chose il y a un signe nous prouvant qu'il est unique, subhanahu wa ta'ala. Dans chaque chose sur laquelle nous pouvons méditer, il y a un signe nous prouvant qu'Allah tabaraka wa ta'ala est le seul qui mérite d'être adoré. Chers serviteurs d'Allah azza wa jal, nous allons nous arrêter aujourd'hui sur un signe parmi les signes d'Allah azza wa jal. Un signe qu'Allah tabaraka wa ta'ala envoie à ses créatures. Un signe que nous voyons quasiment chaque jour. Ce signe fait partie des plus grandes choses qui nous prouvent la perfection de l'unicité d'Allah Azza wa Jal, la capacité de notre Seigneur, la puissance de notre Seigneur, sa force et sa grandeur. Un signe qui prouve que toute chose est sous le commandement d'Allah Azza wa Jal, sa gestion et sa disposition. Ce signe, chers serviteurs d'Allah Azza wa Jal, c'est le vent. Le fait qu'Allah tabaraka wa ta'ala envoie les vents sous son ordre, le fait qu'Allah azza wa jal envoie les vents sous son commandement, sous sa gestion. Le vent souffle sous l'ordre d'Allah tabaraka wa ta'ala. Le vent souffle par la permission d'Allah azza wa jal, na'am. Le vent est géré, le vent est disposé, le vent est ordonné par l'ordre d'Allah azza wa jal. Il n'y a pas un souffle, il n'y a pas un aller, un retour, une direction, un repos, un mouvement, sans qu'il ne soit sous la permission d'Allah, tabaraka wa ta'ala, sans que le Seigneur ne lui a autorisé, ne lui a ordonné. Tout mouvement que le vent fait est en réalité fait sous la permission d'Allah, azza wa jal, sous son ordre et sous sa gestion. Et des fois, le vent arrive comportant la miséricorde et la bonne annonce. Et d'autres fois, il arrive comportant le châtiment et la punition. Et tout cela est par ordre d'Allah Azza wa Jal. L'ordre lui appartient ainsi que le commandement. Ayyuha al-ibad, al-riyah, ayatun min ayatillahi jalla wa ala. ينبغي على العبد المؤمن أن يتعظ بها وأن يعرف من خلالها عظمة مسخرها. فإن فيها أعظم عظة وعبرة وفيها أكبر آية ودلالة على عظمة الخالق وكمال المبدع سبحانه وتعالى. يقول الله جل وعلا: ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ويقول الله جل وعلا: وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. نعم، لآيات لقوم يعقلون، يحركون عقولهم اتعاظا واعتبارا واستفادة من آيات الله جل وعلا الدلة على كماله سبحانه وتعالى. Chers serviteurs d'Allah Azza wa Jal, sachez que les vents sont un signe parmi les signes d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et il incombe aux serviteurs de réfléchir et de méditer sur cela, sur ce signe que nous voyons, sur ce signe que nous observons, sur ce signe que nous ressentons. Et chacun d'entre nous doit tirer toute exhortation de cela et doit chercher à tirer profit des leçons qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala nous envoie. Il incombe pour le serviteur croyant de connaître par ce signe la grandeur de celui qui a créé ce signe, la grandeur de celui qui a créé ces signes. Il incombe par le fait de méditer sur les signes d'Allah de reconnaître la grandeur et la puissance de celui qui nous envoie ces signes, subhanahu wa ta'ala. Il incombe pour le serviteur croyant de connaître la grandeur de celui qui crée ce qu'il veut, de celui qui a créé le vent, de celui qui envoie le vent, de celui qui gère le vent, qui contrôle le vent et qui le dispose. Et sachez, chers serviteurs d'Allah Azza wa Jal, que dans le vent qui souffle, il y a beaucoup d'exhortations à tirer, beaucoup de leçons à méditer et beaucoup de preuves de la perfection d'Allah, tabaraka wa ta'ala, beaucoup de preuves de sa grandeur et de son unicité. Et c'est pour cela qu'Allah Azza wa Jal a cité les vents dans de nombreux passages du Coran. Et citons quelques passages, citons-en deux, afin de prendre conscience de ce bienfait, de ce signe qu'Allah Azza wa Jal nous a donné.
dans Surat al-Rum, le verset 46, Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le sens du verset, et parmi ces signes, et qu'il envoie les vents annonciateurs, yani annonciateurs de pluie, pour vous faire goûter de sa miséricorde, pour que les navires voguent par son ordre, et que vous alliez chercher sa grâce, peut-être seriez-vous reconnaissants. Et dans Surat al-Baqarah, Allah Azza wa Jal dit dans le sens du verset, et dans la variation des vents, et les nuages assujettis entre le ciel et la terre, il y a dans tout cela des signes pour ceux qui raisonnent. La ayatin li qawmi ya'qilun. Il y a dans tout cela des signes pour ceux qui raisonnent. Naam. Puisqu'en réalité, le fait de méditer, le fait de raisonner, le fait de réfléchir sur ces signes, cela va nous pousser à reconnaître qu'il y a dedans une preuve de l'unicité d'Allah Azza wa Jalla, et nous allons tirer profit de cette exhortation qui est que dans ces signes, cela nous prouve la complète gestion de notre Seigneur subhanahu wa ta'ala et sa grande puissance. Ayyuha al-ibad, al-riyah taratan takun niqmatan wa adhab, wa taratan takun rahmatan wa ni'mah, wa kullu dhalika bi amri Allah jalla wa ala. Wa li hadha sahha fi al-hadith 'an an-nabiy sallallahu 'alayhi wa sallam النهي عن سبها معللا ذلك صلى الله عليه وسلم بأنها مسخرة مأمورة فقال عليه الصلاة والسلام لا تلعن الريح فإنها مأمورة. Également, chers serviteurs d'Allah Azza wa Jal, sachez que les vents viennent parfois avec la bonne annonce et la miséricorde, et d'autres fois ils viennent avec la mauvaise annonce et le châtiment, et dans tout cela, et tout cela par ordre d'Allah Azza wa Jal. Et c'est pour cela que le prophète alayhi salatu wa salam a interdit d'insulter le temps, et le prophète alayhi salatu wa salam a interdit d'insulter le vent. Et le prophète alayhi salatu wa salam, il nous a informé du pourquoi nous ne devons pas insulter le vent. Pourquoi nous ne devons pas insulter le vent, puisqu'en réalité le vent souffle par ordre d'Allah Azza wa Jal. S'il souffle, c'est sur l'ordre d'Allah. S'il souffle, c'est sur la gestion et la disposition d'Allah Azza wa Jal. Un jour, un homme était en présence du prophète alayhi salatu wa salam, et il a insulté, il a maudit le vent. Alors le prophète alayhi salatu wa salam de le réprimander, le prophète alayhi salatu wa salam de lui dire, ne maudis pas le vent, car il est ordonné de souffler, il est ordonné de se lever. Et si le vent souffle, c'est qu'il a reçu l'ordre d'Allah Azza wa Jal de souffler. Et ensuite, le prophète alayhi salatu wa salam de dire, et celui qui maudit une chose injustement, la malédiction retombera sur lui. Ayyuha al-muslimuna ibadallah, tasrir Allah Jalla wa Ala lirriyah fihi ni'matun 'azima للناس. ينبغي علينا أن نحس بها وأن ندرك عظيم الفائدة التي نجنيها من تسخيرها. فلولا تسخير الله جل وعلا للرياح لما تحقق للناس حياة، ولما استقام للحيوان حياة، ولذوى النبات، ومات الحيوان، وفسد الطعام، وأنتنا العالم أجمع. شيخ سيربيتر الله عز وجل. Dans le fait qu'Allah tabaraka wa ta'ala envoie les vents, il y a un énorme bienfait pour les gens. Et il nous incombe de prendre conscience de ce bienfait. Nous devons ressentir cette grâce qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous a octroyée en envoyant les vents. Et nous devons connaître et reconnaître les bénéfices et les avantages que nous tirons de cela. Imaginons un seul instant que Allah tabaraka wa ta'ala n'enverrez pas les vents pour les gens, n'enverrez pas les vents sur terre, n'enverrez pas le vent sur terre. Si Allah tabaraka wa ta'ala n'envoyait pas les vents, il n'y aurait pas de vie, il n'y aurait aucune vie sur terre. Si Allah tabaraka wa ta'ala n'envoyait pas les vents, il n'y aurait pas d'être humain sur terre. Si Allah tabaraka wa ta'ala n'envoyait pas les vents, il n'y aurait pas d'animaux vivants. Tous les animaux mourraient, les plantes mourraient, il n'y aurait pas de faune, pas de flore. Si Allah Azza wa Jal n'envoyait pas les vents, les aliments, les fruits, les légumes seraient immangeables. Si Allah Tabaraka wa Ta'ala n'envoyait pas les vents,
le monde entier serait infecté, le monde entier serait empesté. Subhanallah. Quel bienfait d'Allah Azza wa Jal sur nous. Quels avantages et bénéfices. Et en réalité, ils sont indénombrables. Et lorsque l'on médite un instant sur le vent, nous voyons qu'en réalité le vent, Allah Azza wa Jal l'envoie et il est la cause de la purification de l'air. Il purifie l'air, il épure l'atmosphère, il clarifie le climat, il renouvelle l'air et fait voyager l'air d'endroit à endroit. Le vent fait disparaître les maladies, le vent fait disparaître les mauvaises choses, les maux. Le vent apporte le bienfait et les avantages. Et tout cela nous prouve la gestion parfaite du roi des rois. Tout cela nous prouve la gestion parfaite du Seigneur de l'univers. Et tout cela nous prouve la gestion parfaite du Créateur de toutes choses. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب إنه ولي ذلك والقادر عليه فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم تقدموا بارك الله فيكم essayez d'avancer un petit peu pour nos frères بارك الله فيكم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه أما بعد أيها المسلمون عباد الله وتارة يرسل رب العالمين وخالق الخلق أجمعين يرسل الريح نقمة وعذابا نقمة وعذابا محملة بالعذاب فيهلك بها من يهلك من الناس والحرث والأنعام عقابا منه سبحانه وتعالى وعظة واعتبارا للمعتبرين ومن ذلكم ما حكاه الله جل وعلا في القرآن من عقوبته نعاد قوم هود حيث أهلكهم الله جل وعلا بريح عاتية يقول الله جل وعلا وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم Chers serviteurs d'Allah tabaraka wa ta'ala, sachez que d'autres fois, le Seigneur de l'univers, le Créateur de l'entière création, envoie les vents comme châtiment et punition. Et par cela, par ce vent, Allah tabaraka wa ta'ala fait peur à qui il veut. Par cela, Allah tabaraka wa ta'ala fait périr ce qui doit être péri parmi les gens, parmi les agricultures, parmi les bêtes. Également, et cela par punition de la part de notre Seigneur et comme exhortation et leçon pour ceux qui sont doués de raison. Et Allah tabaraka wa ta'ala a cité dans le Coran, Allah azza wa jal nous a cité dans le Coran la punition, le châtiment qu'il a infligé au peuple de Ad. Ad, qui était le peuple à qui Allah Azza wa Jalla a envoyé le prophète Hud, alayhi salam. Ce peuple de gens orgueilleux, ce peuple de gens qui ont eu une puissance sur terre, ce peuple des gens qui ont eu une richesse, qui ont eu une force, une capacité sur terre, écoutez comment Allah tabaraka wa ta'ala les a anéantis. Allah Azza wa Jal leur a envoyé un vent mugissant, un vent furieux, un vent violent. Allah Azza wa Jal cite leur histoire dans le Coran. Et parmi les passages qu'Allah Azza wa Jal nous a révélés dans le Coran, où Allah Tabaraka wa Ta'ala il dit dans le sens du verset, de même que pour les Ad, lorsque nous avons déchaîné contre eux le vent ne comportant aucun bien. Un vent dévastateur qui laissait rien sur son passage sans réduire en poussière. Également, Allah tabaraka wa ta'ala il dit Al-haqqa, mal-haqqa, wa ma adraka mal-haqqa. L'inévitable, l'inévitable qui est le jour inévitable, le jour de la résurrection. Qu'est-ce que c'est que l'inévitable? Et qui te dira ce que c'est que l'inévitable? كذبت ثمود وعاد بالقارعة. Le peuple de Thamoud, c'est le peuple qui a été envoyé au prophète Salih. Et le peuple de Ad qui a été envoyé au prophète Hud. Ces deux peuples-là
ont démenti, Al-Qari'a. Ils ont démenti le jour de la résurrection. Et le jour de la résurrection a été appelé Al-Qari'a parce qu'il va frapper les gens de terreur. Il va frapper les gens de terreur et cela est inévitable. وَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ. Ensuite Allah Azza wa Jal dit: le peuple de Thamoud et de Ad ont démenti Al-Qari'ah. Le peuple de Thamoud fut anéanti par le cri assourdissant. Allah Azza wa Jalla leur a envoyé un cri et il les a anéantis. Quant au peuple de Ad, ils furent détruits par le vent glacial, par le vent violent qu'Allah Azza wa Jalla a déchaîné contre eux pendant 7 nuits et 8 jours consécutifs, les laissant inertes comme des souches de palmiers évidées. Subhanallah. Allah Azza wa Jalla leur a envoyé un vent. Ce vent les a montés jusqu'au sommet. Il les a retournés et il les a précipités la tête la première. Et ils se sont retrouvés comme des souches de palmiers, comme des troncs de palmiers évidés. فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ. En vois-tu des survivants? En vois-tu des vestiges? أَيُّهَا الْعِبَادِ إِنَّ مِنْ عَظِيمِ أَمْرِ هَذِهِ الرِّيحِ أنها تدرك أمر ربها وتطيع أمره وتفعل ما يأمرها به سبحانه وتعالى ومن عظيم أمرها أنها في كل يوم جمعة يتجدد فيها الخوف والإشفاق لأنها مدركة جعل الله تبارك وتعالى فيها إدراكا فهي تدرك أن قيام الساعة يوم الجمعة جاء في سنن ابن ماجه بسند ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه ذكر يوم الجمعة فقال وفيه تقوم الساعة ما من ملك مقرب ولا سماء ولا أرض ولا رياح ولا جبال ولا بحر إلا وهن يشفقن من يوم الجمعة سبحان الله يشفقن من قيامها أيها العباد الرياح تشفق من قيام الساعة والسماء تشفق والأرض تشفق والبحار تشفق وأكثر الناس عن قيامها في غفلة وأكثر الناس عن قيامها في إعراض أعاذنا الله وإياكم. شيخ سيربيتر الله تبارك وتعالى. Parmi les plus grands signes, parmi les plus grandes leçons, parmi les plus grandes choses sur lesquelles nous devons prendre conscience lorsque nous parlons du vent, et parmi les plus grandes leçons que nous devons retenir, c'est que le vent a une conscience. Le vent a conscience de l'ordre de son Seigneur. Le vent obéit à Allah, tabaraka wa ta'ala. Le vent est soumis à l'ordre d'Allah, azza wa jal. Que dire de nous? Que dire de nous qui, à certains moments, n'obéissons pas à Allah, tabaraka wa ta'ala? Que dire de nous qui, à certains moments, nous nous détournons du rappel, alors que ne serait-ce que le vent, ne serait-ce que la terre, ne serait-ce que toute chose obéit et est soumise à Allah Azza wa Jal. Et sachez que tous les vendredis, tous les Jumu'ah, le vent renouvelle sa crainte et sa peur. Car il a conscience de l'ordre d'Allah Azza wa Jal. Tous les vendredis, le vent renouvelle sa crainte et sa peur du jour de la résurrection. Car il sait que le jour de la résurrection sonnera un vendredi. Comme cela a été rapporté dans les sunan d'Ibn Majah, d'une manière authentique, que le prophète alayhi salatu wa salam a évoqué. Il a parlé du jour du vendredi. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, durant ce jour, l'heure va sonner. Il n'y a pas un ange rapproché, un ciel, une terre, un vent, une montagne, un océan, une mer, qui ne craint et qui ont peur de ce jour-là. Subhanallah. Lorsque le vendredi arrive, ils ont peur. Le vent, la terre, les montagnes, le ciel, ils ont peur de ce jour-là parce qu'ils savent que le jour de la résurrection va sonner ce jour-là. Alors que les êtres humains, pour beaucoup d'entre nous, nous sommes dans l'insouciance. Alors que les êtres humains, pour beaucoup d'entre nous, nous sommes dans le détournement, dans l'opposition. Wal'iyadu billah.
C'est pour cela que nous devons tirer toutes les leçons sur les signes d'Allah Azza wa Jal. Et celui qui s'exhorte, celui qui prend conscience de cela, cela va l'aider à augmenter sa foi. Cela va renforcer le lien qu'il aura avec le Seigneur de l'univers. Cela va l'aider à pousser, cela va le pousser à adorer Allah Azza wa Jal davantage. Cela va le remettre en question. Et cela va l'aider à se repentir et à retourner à Allah tabaraka wa ta'ala d'un retour sincère. Chers serviteurs d'Allah tabaraka wa ta'ala, terminons par une magnifique tradition prophétique, par la noble guidée de notre noble prophète alayhi salatu wa salam lorsqu'il entendait le vent souffler. Le prophète alayhi salatu wa salam nous a enseigné que lorsque nous entendons le vent souffler, nous devons nous tourner vers Allah Azza wa Jal en invoquant, en espérant ses grâces et ses bienfaits, en recherchant protection auprès de lui subhanahu wa ta'ala contre son châtiment et sa punition et le mal avec lequel il a envoyé ses vents. C'est pour cela que le prophète alayhi salatu wa salam, et le hadith il est dans Sahih Muslim, et l'invocation vous la trouvez dans les livres d'invocation, où il disait le prophète alayhi salatu wa salam lorsqu'il entendait le vent souffler, Allahumma inni as'aluka khayraha wa khayra ma ursilat bih. Oh Allah, je te demande le bien de ce vent, le bien de ce qu'il contient et le bien avec lequel il a été envoyé. Wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma fiha wa sharri ma ursilat bih. Et je cherche protection contre son mal, contre le mal qu'il contient et contre le mal avec lequel il a été envoyé. Allahumma inni as'aluka khayraha wa khayra ma fiha wa khayra ma ursilat bih wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma fiha wa sharri ma ursilat bih. Aqulu qawli hadha, rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal 'ulya an tahfazal muslimina fi kulli makan. Allahumma shfi maradhal muslimin, Allahumma shfi maradhal muslimin, Allahumma rabban nas mudhhibal ba's ishfi maradhal muslimin anta ash-shafi la shifaa'a illa shifaa'uk shifaa'an la yughadiru saqama. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal 'ulya an tarhama maut المسلمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقوموا إلى الصلاة.